tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous faire un unboxing slash haul. Genre j'ai reçu mon colis hier. Et là on est mercredi. Et normalement quand je tourne une vidéo je la tourne samedi pour dimanche. Et là je pouvais pas attendre, genre vraiment pas. J'ai trop hâte. Je sais pas si vous connaissez le site Shein. Je vous le mettrai en barre d'infos. Madame Feltissa elle va rien mettre en barre d'infos. Donc c'est un site chinois je crois, mais qui fait des vêtements hyper on fleek et tout, genre chinois de qualité hein, crois pas hein. Et j'ai pris une grande décision dans ma vie, c'est que je ne vais plus acheter de Zara ou de H&M, parce que à chaque fois que t'achètes un truc chez Zara, le lendemain t'as 10 filles qui ont la même chose, moi ça va hein. Du coup en fait c'est hyper bien parce qu'ils livrent au Maroc genre sans frais de douane, genre tu payes rien, genre vraiment rien, genre même les frais de livraison ils sont gratuits. Et voilà le colis, il est énorme et il pèse 5 kilos. Et oui mon petit, c'est pas de la rigolade. Alors tout d'abord ça, ce petit truc, oui, c'est un maillot de bain. Alors d'ailleurs je vous mettrai les images. D'ailleurs je vous mettrai les images en même temps si c'est possible. Bon. Alors la couleur elle est comme ceci. Donc c'est un rouge, c'est un hyper beau rouge la vérité. Et ça me va autant. Et du coup en fait c'est un maillot de bain. Attends. En fait c'est un maillot de bain qui s'attache derrière comme ça. Mais vous comprenez rien et moi non plus, tant pis. Bon reste un maillot de bain, hein, c'est bon. Ensuite il y a deux paires de lunettes. La première, ah, j'aime trop. Ah j'aime hyper. En fait ça faisait hyper longtemps que je voulais des lunettes jaunes comme ça. Et là, a dream come true. Goodbye my friend. Regardez ça, c'est le destin, parce que j'ai voulu le jeter, il est revenu vers moi. Ah, c'est un peu comme les Nibas hein. La deuxième paire. Donc la même chose hein, une pochette avec un plastique qui l'entoure bien. Et là c'est des lunettes transparentes, parce que ça faisait hyper longtemps que je les voulais. Mais il y avait une pote, elle les avait, je les essayais et ça m'allait pas du tout. Donc est-ce que ça me va hein? Je trouve ça bizarre. Et alors elles sont hyper grandes, mais genre si elles me vont pas. Et alors qu'est-ce que ça peut te faire, je vais les mettre quand même. Donc le dernier truc c'est ça. Et donc si vous savez pas ce que c'est, en fait il y a une marque qui s'appelle Silly Drop, qui a sorti genre comme des beauty blenders, sauf que c'est en silicone. Genre est-ce qu'il c'est hyper bien et tout. Franchement j'allais pas acheter un truc, genre un truc de silicone à 30 €, ça va aller. Là j'ai eu les deux je pense pour 5 $, même pas. Et il y en a un rose, un truc. Et j'ai hâte de les tester. On va commencer les vêtements. Donc tout d'abord là il y en a un paquet comme ça. Donc tous les vêtements sont dans des paquets comme ça. Ça sent le chinois, il va falloir laver tout ça hein. En fait, c'est un pull rouge. Sans blague. Donc là, il y a des petits fils qui dépassent, mais genre, c'est pas grave. Genre, ça, c'est tranquille. Genre, je peux les enlever au calme. Ça se voit, genre, la matière, elle est assez chaude, tu vois. Et j'aime bien ce pull. Genre, il est un peu large et tout. Avec un col roulé. Pépérus au calmus. Là, on a un t-shirt robe, tu vois. Très, très large. Voilà, qui doit aller jusqu'au-dessus du genou, voilà. Et en fait, on a une ceinture qui va avec, tu vois. Et là, il y a les lacets. En fait, genre, c'est une ceinture lacée que tu mets autour de la taille, vu que c'est un truc large. Et ça, genre, autour de la taille, genre, ça va faire serrer large, tu vois. Bref, c'est hyper beau, vous verrez la photo. Et j'ai hyper hâte. Donc ça, la vérité, j'ai été un peu déçue parce que, je vous explique, bah, je vais vous montrer la photo. Moi, je cherchais depuis hyper longtemps un pull, genre, gris clair, tu vois, assez chaud, assez doux. Bon, celui-là, c'est le cas, hein, mais sauf que c'est blanc mélangé avec du noir, tu vois. Genre c'est pas totalement gris, mais bon c'est pas grave, je le mettrai quand même. Et alors, alors ça, oh my god, genre ça faisait hyper longtemps que je voulais genre une petite jupette en cuir. Et là, alors là j'adore, genre donc c'est une jupe comme ça en cuir avec une fermeture éclair derrière. Et et donc là ça fait comme des lacets. Donc c'est un t-shirt vert olive avec des petites déchirure à ce niveau là. Il y a écrit hyper de trucs, genre il y a écrit du genre don't ruin your day. Et alors zot, comme ça je le trouve assez cocooning. D'ailleurs vous allez voir que j'ai pris pas mal de t-shirts. Ça faisait hyper longtemps que je voulais un t-shirt comme ça avec une petite poche. Tu vois genre quand t'enlèves la poche ça complète la photo. Bref je le trouve hyper beau. D'ailleurs c'est un t-shirt blanc et j'avais pas de t-shirt blanc. Non mais vous y croyez ça? Ça fait hyper longtemps que je voulais un perfecto. J'adore. La meuf elle garde sa queue pour elle, elle veut même pas vous montrer. Donc c'est un perfecto comme ça, normal. Sauf que il a des franges. Ah
ça c'est le deuxième t-shirt blanc que j'ai pris, simple, avec un petit éléphant tout mignon. Je n'ai pas de short en jean, genre non, j'en ai pas. Enfin si, en jean noir, et là j'ai décidé d'en prendre un en jean. Oh my god, la matière elle est hyper bien, et je crois que je l'ai payé genre 10, oula, il va être grand par contre. Oh non. Mais franchement, genre la matière elle est hyper bien, genre on dirait c'est du vrai jean et tout, j'adore. Ça faisait hyper longtemps que j'étais à la recherche de sacs, de petits sacs à main. Et en fait au début de ma commande j'en avais vu un, il était hyper beau et je le voulais. Et en fait il était en rupture de stock. Et là j'en ai trouvé un autre aussi beau que lui. Genre en mode c'est un petit sac comme ça avec un petit truc. J'aime hyper. Et je pense que je vais prendre genre un petit foulard en soie que je vais mettre là autour, genre pour que ça fasse un peu de couleur. Mais j'adore. Alors ça c'est un t-shirt tout simple, tout rose. Sauf que dessus il y a écrit Hotline Bling, genre hyper deux fois. Et il est tout léger d'ailleurs, il est transparent je pense. Mais bon c'est pas grave, il est assez joli. Il est assez léger donc c'est hyper bien pour l'été à Marrakech. Je sais pas si vous le savez, enfin non vous savez certainement pas. Parce que même mes amis ne le savent pas. Et vous n'êtes pas mes amis. La folle. Hyper longtemps que je cherchais un pantalon assez classe. Donc j'en ai déjà un que j'ai acheté pour mon stage, le troisième. Et j'en voulais un autre. Et là j'ai trouvé ce pantalon sur leur site. La matière elle est hyper bien, genre vraiment. Et en fait ouais, c'est comme un jogging qui se lasse là et qui est un peu large, et là qui est assez serré. J'aime beaucoup. Que j'aime, c'est une robe comme ça, une coupe comme ça, et après là, ça descend. Genre en mode normal. Franchement j'aime bien, genre la matière elle est pas horrible. Et j'adore. Ah oui, ça c'est un truc, ça faisait hyper longtemps que je voulais un truc genre avec des coloris comme ça, c'est à dire bah comme ça, genre avec cette coupe, genre avec une couleur comme ça et la couleur du corps différente. Donc là la couleur elle est comme ça, donc il y a marqué Obey Propaganda, j'ai pas compris. Et derrière c'est la même chose sauf que c'est un plus grand et j'aime beaucoup. Ah il est trop joli. Si j'ai pris un pull jaune, vous allez vous dire pourquoi elle prend un pull jaune elle. Bah en fait si j'ai pris un pull jaune c'est parce qu'il faut un peu de couleur dans cette vie, non. Et du coup bah voilà je vous ai aidé. Et ça faisait hyper longtemps que je voulais un pull genre avec ce petit alien. Et voilà il est jaune comme ça, il est resserré au bout. Mais je pense que je vais le couper là. Je sais pas, je suis pas encore sûre. Mais je pense, mais sinon je le trouve hyper beau genre vraiment. Bon alors le dernier truc. Un t-shirt noir tout simple. D'ailleurs il est un peu cool, on a l'impression, avec des mains comme ça. Et voilà, j'aime beaucoup, il est assez simple, il est assez bien. Et voilà. Du coup voilà, donc ce que je pense du site Shein, franchement je pense que c'est un très bon site. Bon à part pour le short, la taille elle m'a pas l'air voilà, mais c'est pas grave, je le réglerai. Mais franchement les matières elles sont hyper bien, elles sont assez chaudes, genre c'est quand même de la qualité. Bon après ça reste du chinois, hein, enfin voilà quoi, faut pas en demander trop. Et c'est vraiment un site pas du tout cher, genre vraiment pas. Et je vous conseille hyper de commander dessus si un jour vous voulez commander dessus. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bye. Faut que je passe? Ah mais certainement pas.